coupable ou non coupable? Allô? Police secours, j'écoute. Bah, la pièce était franchement prenante. Au début, j'y suis allé pour l'acteur, on va pas se mentir. Et je me suis complètement laissé embarquer par rapport au scénario. Et vraiment, c'était très très bien joué, ça m'a beaucoup plu. Alors, une pièce super, vraiment. Richard Anconina, éblouissant, un jeu d'acteur magnifique. Ça nous prend aux tripes, c'est du début à la fin et un rebondissement, on ne peut pas raconter. Mais... On vit le stress, l'angoisse, tous les moments avec lui et elle passe comme un éclair. C'est une performance incroyable. C'est une pièce que j'oublierai pas. En fait, j'ai eu envie de pleurer au moment des applaudissements parce qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui est très humble et qui se rend pas forcément compte de ce qu'il vient de nous délivrer. Et je pense qu'on l'attend pas vraiment sur ce genre de personnage au théâtre. Un excellent jeu d'acteur, de comédien. Sur un ton difficile à tenir parce que uniquement intimiste, il n'y a pas de grande tirade, on n'est pas chez Cyrano. Et je crois que ce jeu, justement, tout en nuance, est remarquable du début à la fin. Incroyable, haletant, on rentrait dedans tout bon, de suite. Anconina, c'est pas une surprise, c'est super. C'est ça, ils ont choisi l'acteur qu'il fallait. Et l'actrice, superbe aussi. Ouais, hyper satisfaite, vraiment, c'était génial. Pour demain, vous allez plaider coupable ou non coupable? Allô? Police secours, j'écoute. Chaque seconde compte.